S'engager et arrêter, c'est le thème qui a reçu ce lundi 30 mai 2021 les organisations qui militent contre la consommation du tabac au Gabon. Face aux professionnels des médias, pour le mouvement populaire pour la santé au Gabon, SOS Tabagisme et Agir pour le Gabon, le rapport d'état de la lutte contre le tabagisme au Gabon est plus que mitigé. Le constat cette année est résolument amer avec des autorités sanitaires et financières qui œuvrent ouvertement en faveur des intérêts mafieux et criminels de l'industrie du tabac et qui empêchent toute initiative en faveur de lutte contre le tabagisme au Gabon. Si entre 2013 et 2016, des avancées avaient déjà été réalisées avec la promulgation d'une loi en faveur de la lutte contre le tabac et la prise de 5 décrets d'application pour sa mise en œuvre, il y a lieu de déplorer et de dénoncer entre 2017 et 2020, les autorités du ministère de la Santé et celles du ministère de l'Économie et des Finances ont choisi d'emprunter à l'industrie du tabac ces arguments visant à saboter toute initiative de protection des politiques de santé. Au cours de ces échanges, les représentants des organisations non gouvernementales ont tenu à attirer l'attention du gouvernement sur la vente des cigarettes en détail. Pour eux, les prix devraient être revus à la hausse. Le tabac est la première cause de mortalité évitable dans le monde entier. Comme on l'a dit, plus de 8 millions de morts par an. C'est beaucoup, c'est énorme. Donc, il est important d'interpeller déjà ceux qui ne fument pas encore, notamment les jeunes, à ne pas commencer. À ne jamais commencer parce qu'avec la cigarette, il est plus facile de commencer que d'arrêter. Vous avez vu dans tous les pays du monde entier qui veulent, n'est-ce pas, interdire la consommation de la cigarette, ils ont commencé à augmenter les prix. C'est pas loin, la France n'est pas loin. Chaque jour, on s'appuie sur la France pour poser des mesures ici. Il faut également qu'on s'appuie à tous les niveaux. Le cas du tabac. En France, depuis 2017, ils ont décidé d'augmenter le prix du tabac de 1 euro chaque année. Donc depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, la consommation a baissé de 53%. Ce n'est pas rien. Donc c'est possible. Il faut simplement que le gouvernement accepte d'aider la vente de cigarettes par bâton, d'augmenter le prix du paquet de cigarettes. Ça ne demande rien au gouvernement. Tout au contraire, c'est bénéfique. Quand vous arrêtez de fumer, votre vie change en mieux. Il y a des gens qui ont arrêté, qui sont aujourd'hui en bonne santé. Donc il n'y a pas un produit. Maintenant, effectivement, je comprends que votre question. Ça veut dire que quand vous arrêtez de fumer, effectivement, au fur et à mesure que les années vont passer, vous allez retrouver votre santé dans le temps. Mais c'est un choix. Fumer ou mourir. C'est-à-dire ce tableau-là. Fumer ou mourir, c'est un choix. La journée mondiale sans tabac n'est donc pas passée sous silence en terre gabonaise. Cette année, l'accent était mis sur l'arrêt, comme le thème le dit. Les jeunes sont ici interpellés à s'engager et bien évidemment arrêter de fumer.